Bah écoute, courage. Merci. T'inquiète, ça va aller. Mais qu'est-ce qu'elle me fait encore? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi cette petite tape condescendante? C'était pas une tape condescendante. Ah, si je t'étais vachement condescendant. Bah non. Si tu le dis. Et il avait pas l'air très affecté, Bertrand, par la mort de Valérie. Ah, tu l'as remarqué aussi. Et en même temps, c'est pas moi qui vais pleurer cette voleuse d'hommes. Hein. Je te rappelle quand même qu'elle m'a piqué Bertrand. Oh non, oh ben non, Sophie, non, non, non. Je te rappelle que tu parles d'une morte. Elle était encore jeune, belle, elle est vraiment partie trop vite. Exactement, beaucoup trop vite. Soyons francs, si Bertrand l'avait vraiment aimée, il aurait convaincu de rouler moins vite et elle ne se serait pas prise d'un arbre. Stop, stop, stop. La vitesse ne pardonne pas, mais toi tu le peux, alors arrête de danser sur sa tombe. Mais je ne danse pas sur sa tombe, enfin. J'essaie juste de faire le deuil de Bertrand. Oui, c'est surtout la fête nationale dans ta tête. Vous êtes séparés depuis 6 mois avec Bertrand, moi je pensais que... Oh écoute, tu sais, entre ce qu'on pense et la réalité, regarde, le monde entier croit encore que j'ai 23 ans. Oui, et il croit encore que tu as un cœur. S'il voyait la condescendance avec laquelle tu... Mais ce n'est pas de la condescendance. Le problème quand je suis avec lui, c'est que je ne sais jamais quoi faire de mes mains. J'essaie juste de sauver les apparences. Oui, c'est très maladroit, mais j'imagine que ça fait partie de ton charme. Tu sais, c'est le seul garçon qui me donnait envie de rentrer plus tôt à la maison. Mais pourquoi tu lui dis pas ce que tu ressens? Bah oui, super, tu me vois aller le voir. Hey, salut Bertrand, tu viens d'enterrer ta copine, ça te dirait un petit chiné comme ça avec moi vite fait? Tu devrais garder uniquement le positif. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Il est mon plus joli regret. Moi, je suppose que le chemin le plus court entre deux cœurs, c'est pas forcément à la ligne droite. Oh, c'est beau ça, pour quelqu'un qui était nul en géométrie. C'est juste dommage que t'aies pas pu prévenir Valérie avant qu'elle se prenne le platane. Oh non. I sold a fairy tale with you.